Bonjour, je m'appelle Didier Balestrieri, donc je suis Montrougien depuis 2016. J'ai saisi l'opportunité des budgets participatifs pour présenter mon projet qui s'intitule Parking à trottinette devant les écoles. Quand je suis arrivé sur Montrouge, voyant que beaucoup d'enfants utilisaient les trottinettes, je me suis dit, mon Dieu, comment on va laisser les trottinettes devant les écoles? Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des trottinettes qui étaient amassées devant les écoles. Et moi, ça m'embêtait parce que j'avais pas envie de dégrader la trottinette de mes enfants. Aussi, je m'étais rendu compte que finalement, aller en trottinette à l'école devenait un jeu. Et finalement, on était moins en retard qu'à pied. Voilà, parce qu'évidemment, j'avais exclu le mode vélo. Parce qu'ils sont trop petits, et puis la voiture, n'en parlons pas. Donc voilà l'idée, voilà le projet, et voilà pourquoi j'ai souhaité qu'on installe tout simplement des parkings à trottinettes devant les écoles pour qu'on puisse les ranger proprement et en toute sécurité. Et puis un jour, dans le Montrouge Mag, j'ai vu qu'il y avait cette initiative des budgets participatifs qui a attiré mon attention parce que je ne connaissais pas tout simplement, et je trouvais que c'était un excellent moyen pour lancer ce projet. J'ai suivi le lien qui était sur le site et puis je me suis inscrit. J'ai reçu un mail de la mairie pour me donner rendez-vous pour passer un grand oral. Et donc je suis arrivé à la maison des associations, je crois, avec beaucoup de monde. Hein. Et puis je me suis retrouvé au tableau. Hein. Je me suis retrouvé au tableau à expliquer quel était l'intérêt pour les Montrougiens. J'avais joint des photos que j'avais récupérées sur Internet pour montrer ce à quoi quand même ça pouvait ressembler. Et puis, j'ai essayé de faire passer ma conviction auprès de la commission, tout simplement. Les budgets participatifs, je trouve que c'est une excellente idée, c'est super. Pourquoi? Parce que ça permet de créer un lien direct, hein, finalement, entre un porteur d'idées et le décideur, hein, la mairie. Si on est vraiment dans la démocratie participative, active, je ne sais pas comment la dire, aujourd'hui, hein, les gens ont envie de s'exprimer, et là, c'est une façon de s'exprimer de manière positive, puisque ça construit, c'est pour le bien-être de tout le monde, en fait. Ne vous interrogez pas, foncez. Portez vos idées, allez au bout. Et puis dites-vous qu'à chaque fois que vous proposez un projet, ben vous le faites pour tous les Montrougiens. C'est un parcours sympa. Je crois qu'il faut bien travailler la partie en amont, pour le grand oral. Il faut bien travailler cette partie-là. Et puis surtout, il ne faut pas se priver, quoi. Il ne faut pas se censurer, il faut y aller.